On dit que la mémoire a pour objectif la fidélité. Vertu rare, la fidélité est nécessaire à chaque être pour fixer son appartenance, son identité et bâtir ainsi un référent national capable à même de garantir la cohésion sociale. Depuis une année, le président de la République a décrété le 8 mai comme journée nationale de la mémoire, pour dire ainsi tout l'intérêt que l'Algérie accorde aujourd'hui à la question mémorielle, à sa préservation et surtout à sa transmission et à la transmission de cette mémoire nationale. Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Pour justement évoquer cet intérêt à la mémoire nationale, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le Moudjahid, M. Bachouch Abdelkader. Abdelkader Bachouch, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. J'ai le plaisir de recevoir également un étudiant, un doctorant à l'université d'Alger 2, M. Amirach Abdelilah, bonsoir. Et j'ai le plaisir enfin de recevoir M. Mohamed Karim Aswan, il est chercheur universitaire à l'université d'Alger 2 également. M. Aswan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui, l'Algérie décrète la journée du 8 mai comme journée dédiée à la mémoire. M. Bachouch Abdelkader, que pensez-vous de cette initiative du président de la République? Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et cette journée mémorable, étant donné que Monsieur le Président l'a décrété, nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est un grand plaisir d'être avec vous, Monsieur. C'est la journée du 8 mai, elle est historique. Elle est historique pour notre génération et les générations futures. Alhamdulillah que Sid Rais Khda Mouqf li yani rsmha بصفة رسمية هذا فخر واعتزاز للشعب الجزائري. En tant qu'étudiant, M. Amirach, décréter une journée dédiée à la mémoire nationale. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un très grand honneur de me retrouver ici parmi vous. J'aimerais juste revenir sur la symbolique de cette journée, car comme on le sait, le 8 mai 1945 est une journée, disons, qui représente une période charnière dans la révolution algérienne, parce que on va dire que cette révolte a permis après au mouvement national de se structurer. Elle a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution algérienne. Et en même temps, on peut rendre hommage, grâce à cette journée, à toutes les victimes du 8 mai 1945, suite aux exactions de l'armée coloniale. Et le fait d'avoir dédié maintenant, de choisir cette journée pour Je pense que dédier à la mémoire nationale d'une manière générale. Je pense que ça permettra à notre génération, du moins, Oui. De mieux comprendre et justement d'aller chercher cette histoire qui est la nôtre à travers toutes ces dates symboliques. Monsieur Mohamed Karim Aswan, même question. Le fait qu'on a décrété aujourd'hui une journée pour la mémoire. Merci de l'invitation. Effectivement, bon, décréter le 8 mai comme journée nationale de la mémoire, c'est louable. Mais en réalité, ce que j'en pense personnellement, c'est que nous avons eu des 8 mai depuis 3000 ans que le peuple algérien, en fait, dans sa mémoire historique, jusqu'à 62, ne faisait que souffrir de génocides implacables qui se répétaient depuis 3000 ans. Depuis l'invasion romaine, depuis la Numidie, depuis la Mauritanie, nous vivions ces 8 mai 45 quelque part. Voilà. C'est vrai, c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir et de s'arrêter un petit peu et de
de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. N'est-ce pas ? 3000 ans d'histoire, mes ancêtres m'ont légué ce patrimoine. Mais aujourd'hui, ai-je réellement exploité cette mémoire historique ? L'ai-je réellement travaillé ? L'ai-je réellement mise en évidence ? C'est la question que continue toujours à se poser. C'est peut-être l'occasion aussi de revoir ce qui nous intéresse, nous tous et les générations futures, la réécriture objective et critique de notre histoire et de notre patrimoine de façon générale. Monsieur Abdelkader Bakhouch, pour vous, vous êtes un acteur de la révolution algérienne. Comment vous voyez aujourd'hui, comment on peut justement préserver, protéger la mémoire nationale ? La mémoire nationale, c'est un problème profond. Étant donné, c'est grâce à cette journée qu'il y a eu préparation de la révolution elle-même. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait plus de 45 000 morts tués par le colonialisme. Et de là, nos responsables politiques, d'une manière générale, commençaient à préparer la révolution. Parce que la révolution n'est pas venue toute seule. Il fallait toute une préparation, une mobilisation de certains responsables qui ont eu le privilège et l'honneur de déclencher le 1er novembre 1954. Parce que de 1945 à 1954, il y a quand même quelques années de préparation. Et alhamdoulilah, Sid Raïs, خلا موقف تاريخي على اليوم التاريخ تاع 8 مايو ان شاء الله الشبان والشبيبه الطالعه Justement, Monsieur Brouche, vous parlez de, du sacrifice du peuple algérien pendant donc, des années face aux exactions de la colonisation. Mais comment, comment voyez-vous la préservation de cette mémoire ? Vous savez, le peuple algérien... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour justement transmettre cette mémoire ? Pour que les Algériens n'oublient pas ce sacrifice et de leurs aînés. Alhamdoulilah, c'est grâce à vous et à votre émission qu'elle déclenche la véritable poursuite de la journée du 8 mai 45 jusqu'au 1er novembre 54. Ce que nous souhaitons, nous, anciennes générations, que la nouvelle génération Shabiba Tali'ali al-Mtaqba, elle préserve et garde de bons souvenirs de cette journée. Étant donné que M. le Président de la République l'a décrété, c'est la première fois qu'on vit le véritable 8 mai 45. Pour un étudiant en sciences humaines, aujourd'hui, est-ce que la connaissance de la mémoire est une condition c'est sine qua non, j'allais dire, pour mener un travail de recherche. J'ai envie de répondre oui, mais oui, naturellement, parce que si on travaille par exemple sur les auteurs algériens des années 50, etc., nous sommes vraiment amenés à comprendre et à essayer de lire vraiment ce contexte-là. Car si je peux citer pardon, comme exemple Katib Yassin, si on veut lire les premiers textes de Katib Yassin, il faut comprendre le 8 mai 45. Il fait référence à cette date-là et à d'autres dates, bien évidemment, notamment dans Soliloque, qui est son premier recueil de poésie, bien après dans Nijma, etc. Mais j'ai envie de dire aussi que M. Aswan, tout à l'heure, a parlé de relecture critique et objective de notre histoire. Dans les sciences humaines, généralement, et plus particulièrement en littérature,
La connaissance du contexte est primordiale, car l'œuvre, généralement, porte en elle une société, elle porte en elle un contexte et une histoire, ce qu'on appelle, du moins, la socialité d'une œuvre. Alors que j'ai envie de dire que tous les écrivains, tous les universitaires, etc., etc., reviennent à cette histoire de l'Algérie, mais également, elle nous octroie la possibilité de d'aborder notre avenir d'une autre manière, d'une manière un peu plus, disons, avec une perspective un peu plus élargie de notre histoire et de notre identité. Vous savez que la mémoire, c'est pas simplement l'histoire, c'est-à-dire c'est pas simplement le mouvement national, c'est pas simplement la guerre de libération nationale. Comme M. Aswan, il a évoqué le patrimoine, mais aussi les 3000 ans d'histoire, et même bien avant, parce qu'on a découvert récemment, M. Mohamed Karim Aswan, au niveau du site de Ain Hanech, du côté de Sitif, l'existence d'une vie humaine en Algérie. Oui, culturellement, nous sommes une nation de 2000 ans, n'est-ce pas, d'existence. Mais ce que je veux, le point sur lequel je veux certainement insister, c'est que ça ne soit pas une date festive, oui, n'est-ce pas, un 8 mai, un 1er novembre, un 5e juillet, etc. Et c'est le moment, c'est l'instant urgent, je dirais même, de revoir ce qu'on a réellement fait, ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, la monographie historique algérienne s'est arrêtée à Mahfoud Qaddesh, l'Ira. Il n'y a pas de continuité de cette mémoire inscrite sur le plan historique, etc. Combien avons-nous d'historiens aujourd'hui? Le chiffre reste inconnu. Combien avons-nous d'équipes de recherche de différentes histoires, l'histoire ancienne, paléontologique, ou anthropo-paléontologique, ou histoire contemporaine, ou histoire de des Émirats islamiques, etc. Combien y a-t-il de centres de recherche? Avons-nous un centre de recherche d'études historiques? Je pense que c'est le moment de tirer un bilan et d'instaurer ne serait-ce que des prémices pour des perspectives. Mais ceci devrait, en principe, associer non seulement les universitaires et les jeunes chercheurs, mais c'est un problème aussi de la société elle-même, de la société dite civile, même si je n'aime pas trop ce terme, mais disons, les associations, créer enfin des centres culturels uniquement sur... Vous me parlez de Ain Hanech. Est-ce qu'on a convié les jeunes de Ain Hanech d'élaborer un petit musée? Est-ce que les écoliers de Ain Hanech étudient justement ce patrimoine de l'humanité? Ça, c'est la question. Donc, pour vous, il s'agit là de mobiliser toutes les institutions, l'école, l'université, les médias, toutes la presse, les volontés, etc. Tous les citoyens. Pour préserver cette mémoire et pour pouvoir la transmettre à des générations, etc., il faut. C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail de longue haleine où tout le monde devrait être associé. Ceci d'une. Mais aussi, il ne faudrait pas l'associer dans le sens carnavalesque. L'histoire, c'est une science, c'est un savoir. L'histoire, c'est des connaissances qui débutent par, je pense, hein, une révision, faire aimer l'histoire à nos jeunes écoliers d'abord. Donc revoir les programmes scolaires où, justement, la mémoire... ne serait-ce que contemporaine, est totalement absente. Et vous savez que l'histoire, ce n'est pas tout à fait la mémoire, et la mémoire, ce n'est pas tout à fait l'histoire. Parce que nous savons que les historiens utilisent justement la mémoire pour écrire l'histoire, et la mémoire s'inspire également des travaux des historiens pour justement se préserver, n'est-ce pas? Je pense que la mémoire, d'abord, c'est des traces. Oui. C'est des traces d'actes.
de gestes, de présence, de mouvements collectifs, individuels, etc. C'est à partir de cette mémoire que l'histoire s'inscrit. Il n'y a absolument pas de contradiction. Justement, c'est ce type de débat qui devrait être ouvert à la société et associer toutes les générations, tous ceux qui vivent sur ce territoire national. Tout le monde est concerné. C'est à partir de là que nous pourrions aller vers un objectif très, très important, à mon avis, instaurer une historiographie nationale algérienne. Chose que, justement, on n'a pas su élaborer. Bon, ce n'est pas l'erreur des personnes qui nous ont précédés, mais c'est peut-être une sorte de méconnaissance. Donc on n'a pas réussi à instaurer notre propre historiographie nationale, n'est-ce pas, avec ses approches, ses méthodes et surtout ses compétences humaines. N'est-ce pas? Nous avons des historiennes et des historiens très compétents, mais que nous ne voyons pas, que nous ne lisons pas. La vérité. N'est-ce pas? Et la matière, elle existe. Monsieur Bekhosh, un moujahid, c'est plus qu'un moujahid, un révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est un héritage. Il ne faudrait pas laisser cette mémoire disparaître d'une façon anodine. Et ça, justement, c'est peut-être l'instant de revoir, d'élargir le débat, de l'approfondir surtout, et de le scientifiser en quelque sorte, de le rendre beaucoup plus scientifique. Et c'est là où nous offrons notre contribution à l'humanité. Monsieur Proche, on vient d'écouter Monsieur Aswan. Pour lui, la nécessité de mobiliser toutes les générations pour justement le même objectif, celui de préserver cette mémoire, celui de la préserver pour la transmettre pour les générations futures. Tout ce que vient de dire le frère est très important. Et c'est grâce à votre émission qu'on va connaître le véritable... Il y a d'autres émissions, il y a même une chaîne de télé... Je vais vous rappeler modestement qu'il y a même une chaîne de télévision qui a été dédiée à la mémoire. C'est quelque chose qui s'inscrit justement dans cette perspective qu'évoque monsieur Aswan. Ce que nous souhaitons que la génération future, y compris les jeunes, de prendre en considération tout ce qui a été fait par les anciens. Parce que la journée du 8 mai, à ma connaissance, j'ai 83 ans, c'est la première fois que j'assiste vraiment à une émission concernant le 8 mai 45. En fait, le 8 mai 45, à Sétif, à Guelma, à Naba, sur le territoire national, mais pas objectivement comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va suivre la télévision et connaître que c'est le 8 mai 45. Vous prenez nos jeunes, ils ne connaissent pas le 8 mai 45. On ne leur a pas donné dans l'école, ni au lycée, le 8 mai 45. Même là, j'irai un peu plus loin. Même le 1er novembre, il y a plusieurs qui ne l'ont pas dit du tout. Parce que c'est suite au 8 mai 45, il y a une véritable préparation par nos responsables politiques pour déclencher la révolution le 1er novembre 54. Monsieur Amirach, quand on parle de mémoire, on parle également de l'oubli, c'est-à-dire préserver la mémoire contre l'oubli, justement. Justement, c'est-à-dire pour rebondir déjà à votre question précédente, vous faisiez la distinction entre mémoire et histoire. Disons que ce binôme-là est indissociable. Mais justement, la mémoire, contrairement à l'histoire, enfin pas contrairement, mais ça, la mémoire va dans une dynamique de revalorisation de l'identité nationale. Justement, et quand on parle de revalorisation, on évite toutes sortes d'assimilations, c'est-à-dire une assimilation occidentale, portée vers l'Occident ou autre. Et justement, la transmission de cette mémoire, comme vous l'avez dit, évite l'oubli. L'oubli d'une histoire millénaire, pour reprendre M. Aswan. Donc, cet oubli-là est à éviter. À éviter justement par le biais de la recherche universitaire en premier lieu,
Mais nous avons aussi d'autres moyens qui sont le cinéma, les émissions télévisuelles, etc., etc., qui nous permettent plus ou moins d'avoir un point de vue très général sur une chose et après relire. Et donc pour vous, l'histoire, c'est en quelque sorte, la mémoire plutôt, est un point de ligne, plutôt de démarcation, par exemple dans le contexte colonial. Exactement, oui. C'est un point de démarcation parce que ça nous permet plus ou moins d'avoir une vision sur ce qu'est l'identité nationale, l'identité d'un jeune, ou bien de la jeune génération, ou bien de l'ancienne génération, etc., etc. Comme vous l'avez dit, la mémoire, et comme l'a dit M. Osman, c'est un tout. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un texte, ce n'est pas juste un événement, ce n'est pas juste une situation, etc., etc. Cette mémoire-là, c'est-à-dire ce travail-là, en quelque sorte, pourrait donner à notre jeune génération, justement, une vision très critique et très objective de ce que nous sommes, c'est-à-dire de notre identité. Une ligne de démarcation, M. Aswan, la mémoire, dans le contexte colonial notamment? Dans le contexte colonial, est-ce que la mémoire est une ligne de démarcation? De démarcation par rapport à quoi? Par rapport à l'historiographie coloniale, peut-être? Par rapport, c'est-à-dire... Vous nous interrogez La prise de conscience de soi face aux colonisateurs. La prise de conscience du peuple algérien, de ce que vous nous appelez indigène d'Afrique du Nord, c'est-à-dire même la géographie, en fait, elle a été totalement éclaboussée par cette... Parce que vous avez deux mémoires, c'était un conflit, une lutte entre deux mémoires, la mémoire coloniale et la mémoire nationale. N'est-ce pas? Non, avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai pas de problème d'identité nationale. J'ai 3 millions d'histoires. Et dans ces 3 millions d'histoires, en fait, j'ai un ensemble de mémoires qui s'est accumulé. Mémoire sociale, mémoire culturelle, mémoire militaire, les batailles, mémoire écologique aussi, mémoire artistique, architecturale, etc. Arrivé au colonialisme, bon, il y a eu plusieurs colonialismes. Oui. Laissez-moi citer, les Puniques étaient des colonisateurs, n'est-ce pas? Les Romains, les Ottomans, à preuve de contraire. Et le fameux colonialisme européen, nous essayons de le délimiter, c'est l'occasion d'ailleurs, autour de cette journée commémorative nationale, de le délimiter à la colonisation française. Non! C'était une colonisation de peuplement européen. Ouais. Il y avait des Suisses, des Allemands, des Italiens, des Maltais, des Anglais et autres nationalités. Donc déjà là, nous avons ce problème, disons ce questionnement, qu'il faut placer dans son contexte. Et le placer dans son contexte, c'est-à-dire approfondir nos études dans notre propre histoire. Et essayer encore une fois d'établir les matériaux de notre propre historiographie. N'est-ce pas? C'est vrai que une grande quantité d'archives, et les archives font partie de la mémoire, puisque les archives permettent d'écrire l'histoire. Ils sont un petit peu partout dispersés dans le monde. Il est peut-être l'occasion, et ça c'est une décision bien sûr politique, et certainement elle sera louable dans les prochaines années, de récupérer justement cette partie de la mémoire écrite, ces archives, ces documents, ces traces dont on a réellement besoin afin qu'aussi nous corrigions notre propre histoire. Voilà.
Monsieur Abdelkader, vous êtes un acteur au sein de la Fédération de France du FLN pendant la guerre de libération nationale. Est-ce que vous avez pensé à écrire vos mémoires? Parce que vous êtes l'auteur d'un coup d'éclat, comme on dit, pendant 1958. Je n'ai pas eu l'occasion de bien penser à écrire, étant donné le manque d'instruction. Parce que مازال نحكي مو شويه باش يجي نطلب منك ويقول لك اكتب لي ولا واش كان ما نقبلش. اي سي سا ليرور تاعنا هنا. لا فيريتابل ايستوار دو نوتر ريفوليسيون باسكو جو بارل بوكو بلوس دو ريفوليسيون كو دو ميموار. لو ديكلونشمون دو 1er نوفمبر 54، لي زوم ريسبونسابل بوليتيك اون ديكلونشي، ابري سا سويفي افيك تو لو بوبل. كوم لا دي بن مهدي الله يرحمه. La révolution, c'est le peuple qui va la faire. Effectivement, on était des acteurs pendant la révolution, et aujourd'hui, nous sommes des observateurs. Nous regardons, nous observons les dilatants et tout ce qu'on dit, mais la véritable histoire de l'Algérie n'a pas été écrite. Parce que même nos responsables, ils ne disent pas que nous avons travaillé, ils disent « j'ai travaillé ». Le mot « je » ne fait pas la situation de l'Algérie. Nous, militants de la Fédération de France, on a structuré, c'est-à-dire en 57, je me permets, monsieur. Oui, oui. En 57, il y a eu le quadrillage du Front de Libération Nationale et de la ALN pour la structuration totale de l'immigration au sein de la Révolution. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait d'autres partis, pour ne pas citer X ou Y ou Z, il y a eu pas mal d'histoires entre Algériens. Mais l'essentiel... Il y a beaucoup d'anciens moudjahides qui ont quand même écrit leur mémoire, relaté ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans les maquis, que ce soit dans les villes, que ce soit à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Ça reste quand même une contribution à la préservation de la mémoire. C'est très bien, oui. C'est très bien, parce qu'ils ont eu le privilège d'écrire. Oui. C'est très bien de connaître l'histoire, mais la véritable histoire, elle est mal écrite. Parce que chacun dit « j'ai fait, j'ai fait ». J'ai fait... Non, l'histoire, c'est aux historiens de l'écrire. Mais c'est toujours important de donner son témoignage. Parce que lorsqu'un ancien moudjahid écrit ses mémoires, il ne fait que livrer son point de vue, ce qu'il a vécu, etc. Et le transcrire et ce qu'il a fait, etc. Oui. Donc, et c'est à l'histoire, à l'historien plutôt, de faire le travail scientifique. Donc, je crois oui. Le problème, il est national. Les véritables historiens qui ont écrit, on leur tire chapeau pour ne pas oublier déjà l'histoire. Oui, oui. Ça, c'est pas mal. Oui. Chacun a sa manière. Oui. Mais moi, je parle en connaissance de cause sur la Fédération de France. En 57, quand nous avons fait le quadrillage, tout le monde soit structuré au sein du FLN et de l'ALN. Pas X ou Y ou là. Alhamdoulilah, c'était une réussite totale. Et la Fédération de France a contribué, la Wilaya 7 a contribué d'une manière efficace à l'indépendance de l'Algérie. Vous travaillez personnellement donc à la préservation de l'histoire. Vous faites des recherches personnelles. Et vous écrivez l'histoire à votre manière, parce que vous intéressez à des personnes, à des lieux de mémoire, à des actions qui ont été bien menées. Et puis, vous mettez à la disposition des Algériens des livres gratuitement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette initiative? Pourquoi le choix d'écrire des livres et souvent des articles qui concernent la mémoire nationale et les mettre à la disposition en ligne et à la disposition de tous les Algériens? Pour deux raisons. Oui. D'abord, c'est d'éviter le circuit assez
disons, mercantile de l'édition des livres, qu'elle soit à l'étranger ou en Algérie. La seconde raison, c'est que je ne m'intéresse pas à la mémoire du mouvement national ou du patrimoine culturel national. Je me suis intéressé à, disons, un seul grain de sable, une période donnée du mouvement ouvrier algérien, à savoir les années, la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30-36, donc jusqu'à la formation des partis nationalistes et des partis révolutionnaires qui vont mener le combat autrement. Justement, là, vous évoquiez tout à l'heure cette question de recherche universitaire. Ce qui m'a encore poussé à mener ces petits travaux, que je mets gratuitement online, sans aucun intérêt lucratif, ça ne m'intéresse pas, c'est que même la documentation universitaire, il n'y a presque rien, n'est-ce pas? Et toutes les recherches qui ont été menées, je parle d'université algérienne, j'ai essayé un petit peu de chercher autour des thèses, des travaux de recherche, etc. C'est des travaux répétitifs. Donc, des documents en français qui sont traduits en arabe, et c'est toujours les mêmes références, entre Mahmoud Kaddesh, l'Algérien, et Charles-André Julien, le socialo-historien, etc. Il y a un manque terrible, n'est-ce pas? Il y a une absence de cette mémoire d'écriture de l'histoire. Des choses particulières, par exemple, les chercheurs ont évoqué cette mémoire des Algériens, par exemple à Monte Cassino. Vous avez même effectué un déplacement en Italie juste pour comprendre la participation des Algériens, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, concernant la bataille de Monte Cassino, parce que alors il y a deux mémoires, oui, qui disons se trouvent entremêlées. Alors il y a la mémoire algérienne qui nous concerne, ce sont les milliers de soldats algériens, les tirailleurs nord-africains. Bien sûr, il y a des Marocains et des Tunisiens aussi, des frères qui sont morts pour ça. Mais c'est surtout par rapport à la question qui s'est posée à la mémoire italienne, c'est la fameuse Ciociaria. Bon, c'est le nom de la région d'abord, mais c'est aussi toutes les exactions qui ont été commises contre les femmes et les jeunes filles des villages environnant donc le champ de bataille, Monte Cassino. Et donc j'ai essayé, tenté de mener une enquête auprès de la documentation militaire française de l'époque, n'est-ce pas, de la présence du fameux corps de l'armée d'Afrique, dont le général Juin était le commandant-chef, et interroger aussi les archives, la mémoire italienne, c'est-à-dire la documentation italienne, et essayer de corriger, hein, pas totalement, parce que ça c'est un travail d'historien, n'est-ce pas, mais essayer de replacer ce qui s'est passé comme exaction vis-à-vis de la population civile désarmée, n'est-ce pas, en précisant que, par exemple, que nos soldats, nos aïeux, nos ancêtres, n'est-ce pas, nos pères, nos grands-pères, etc., dans ces régiments de tirailleurs ou de tabours marocains, étaient sous les ordres d'officiers français. N'est-ce pas, officiers militaires français. Et ces officiers et sous-officiers de l'armée d'Afrique, en fait, c'était eux qui avaient drogué, n'est-ce pas, nos soldats, pour les envoyer dans des villages pacifiques qui n'ont rien à voir avec la bataille militaire elle-même, qui était même en dehors des cercles d'occupation nazis, et commettre les crimes atroces que jusqu'à présent la mémoire du peuple italien
considère comme un événement assez grave. C'est une petite contribution, mais même si on peut se déplacer sur place, on peut avoir de l'aide, etc., ceci ne règle pas les séquelles que justement cette mémoire italienne continue toujours à commémorer, tristement. Mais dans ce travail, j'ai vu que quand il s'agit de... À l'instant où les peuples vivent le génocide, et l'ethnocide même, n'est-ce pas, nous avons le même sentiment. Et nous partageons les mêmes inquiétudes, les mêmes douleurs, n'est-ce pas? Et pour nous, qui avons, nous les Algériens, qui avons des cimetières un peu partout, de soldats qui ont été volés, disons, séquestrés à leur famille et transformés en chair à canon pour une cause, disons, une cause à laquelle il n'y adhère absolument pas. Et ce qui est encore plus triste, quand vous allez au cimetière de Monte Cassino, c'est-à-dire le cimetière nord-africain, d'abord, c'est la terre, le territoire est un territoire français. Vous serez ébahis parce que vous avez le drapeau de la République française au milieu. Et les tombes, vous avez cette inscription, comment dire, déshonorante. Donc vous avez le nom du défunt, le croissant et l'étoile pour dire que c'est une tombe musulmane, dirigée bien sûr vers la Qabla. Plus cette transcription qui a souillé, si vous voulez, notre mémoire historique dont je parlais, mort pour la France, n'est-ce pas? Donc de quelle France? Ces Algériens ont libéré l'Italie, ont libéré la Sicile, ils seront après... ont libéré la Corse avant de passer à la libération de Marseille. Le gouvernement clandestin de l'époque s'est installé en Algérie. La République française libre a été proclamée à Alger, n'est-ce pas, à l'édifice actuel de Zérout Youssef, alors que la France continuait à être occupée et quelques mouvements, disons, de la résistance populaire continuaient à lutter. Mais c'est ce type de lecture qui m'intéresse le plus et c'est des moments qui nous poussent aussi à réfléchir sur soi-même, n'est-ce pas? Bien sûr, dans l'esprit que la mémoire, notre mémoire en tant qu'Algérien, nous la partageons avec toutes les nationalités de par le monde, bien sûr. Monsieur Brouche Abdelkader, il dit que notre mémoire, nous la partageons avec plusieurs nations, et vous le confirmez, parce que votre rencontre avec le général Giap, oui. C'est à l'occasion de l'invitation par Sibouvindir Lahmou, oui. À l'occasion du 1er novembre. Le général Diop, venant en Algérie, à l'hôtel Al-Jazair, il a demandé à Sibouvindir Lahmou de ramener avec lui le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marché. Effectivement, Sibouvindir général Diop, lors d'une discussion avec lui, il y avait deux ministres et plusieurs autres frères. Le général Diop a dit, monsieur Bouchouch, vous savez, votre révolution, c'est une grande révolution. Je lui ai dit, monsieur mon général, nous avons un petit peu copié sur vous,
parce que vous avez fait la guerre contre la France, contre l'Amérique, contre les... Quelle oui, M. Bokhosh, mais par contre, vous, Algériens, la plus grande révolution dans le monde, c'était la vôtre, étant donné que vous avez fait la guerre à la France sur son propre territoire, que nous, nous n'avons pas fait. C'était un grand plaisir pour nous. Par général Diop, la rahmou brahm tu ala kulli tihan, lakin galli, thawra ta'akum hiya l'wahida, fi l'alam, li kounet l'mustamr, كافحتوا في بلاده والحمد لله سي فري لا فيدراسيون دو فرانس لا سيتيام ولايه كما لابيل باسكو لا فيدراسيون دو فرانس افي سي ولايات با سات سي ولايات است ويست سود نور افي سي ولايات مي دون لو كادر دو كونسي ناسيونال دو لا ريفوليسيون الجيريان اون بروكلامي لا فيدراسيون دو فرانس كوم ولايه سات اي والحمد لله يعني الشعب الجزائري كامل بصفة عامة والمجاهدين ولاد الشهداء بصفة خاصة اللي مازالوا حيين ربي يطول أعمارهم واللي ماتوا الله يرحمهم. Monsieur Amirach, aujourd'hui donc vous faites partie donc de cette jeunesse d'aujourd'hui. Le fait de côtoyer un acteur de la guerre de libération, qu'est-ce que ça vous fait? J'ai envie de dire en toute simplicité que c'est un immense honneur. C'est un pan entier de cette mémoire, justement. Certainement, oui. En plus de la mémoire vivante. C'est une opportunité inestimable. Hein. Oui. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. En plus, j'ai envie de dire que nous leur sommes redevables. Parce que c'est grâce à cette génération que nous pouvons maintenant exercer, c'est-à-dire, on va dire, notre liberté comme nous le souhaitons. Et nous leur sommes redevables aussi pour tous les sacrifices qu'ils ont faits. Cette génération leur est redevable et elle le sait. À mon avis, elle le sait pertinemment. Est-ce que vous avez mesuré tout le sacrifice qu'ils ont consenti, cette génération? Je ne pense pas, oui. Personnellement. Oui, oui. Je ne pense pas avoir tout assimilé parce que il y a le facteur temps aussi. Ben, oui, oui. Nous ne pouvons pas tout assimiler à 24 ou à 25 ans. Mais c'est-à-dire de par les écrits, de par les mémoires, de par les témoignages, etc. Nous essayons et nous faisons tout justement pour comprendre et pour assimiler cette histoire-là, cette mémoire-là, et pour justement essayer de rendre hommage à tous ces sacrifices. À toutes les femmes et à tous les hommes qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Oui, merci mon fils. Vous faites partie de la génération intermédiaire entre M. Amirach et M. Bokhosh, M. Aswan. Est-ce que vous voyez que la transmission, justement, de, par exemple, de cette mémoire, l'exemple de la mémoire de la guerre de libération nationale, s'est faite d'une manière automatique ou bien il y a des chaînons manquants? Les chaînons manquants, non, je les nommerai clairement. Il y a eu ostracisme aussi, n'est-ce pas? Il y a eu des oublis étudiés, réfléchis à certaines époques de notre histoire toute récente, d'évacuer la mémoire de personnes, de militants, je parle de militants révolutionnaires, n'est-ce pas? Donc des mémoires ont été évacuées consciemment. Ceci d'une. De deux, il est de notre devoir, bon, génération intermédiaire, les générations se continuent, c'est une continuité, se succèdent et c'est dans la continuité. De manière naturelle, oui. Voilà. Le point le névralgique dans cette question de mémoire, c'est que notre erreur aussi, et surtout, disons, notre fainéantise intellectuelle quelque part, n'est-ce pas, ne nous a pas permis d'aller vers la source, n'est-ce pas, vers ces révolutionnaires, hommes et femmes, et de les interroger. Cette paresse intellectuelle, justement, de l'kessel al-fikri wa al-taqaf, n'est-ce pas, qui a été, en fait, pour nous... un handicap, et je le dis, pour ma génération, celle de l'indépendance politique nationale, nous continuons à payer, je pense, le prix. Hein. Voilà, donc on se
questionne, on remonte jusqu'à ce, quelle est l'identité, quelle est la nature de l'identité nationale. Donc on revient toujours dans un questionnement interminable qui n'a ni début ni fin et qui, en fait, n'arrange pas aussi l'écriture de notre histoire. Donc notre défaut, notre erreur, notre insuffisance, nous ne sommes pas allés vers cette source, n'est-ce pas? Et depuis les années 80, les années 60, 70, nous perdons chaque année, chaque instant, chaque mois, chaque moment, une bibliothèque nationale, dont la disparition d'une militante révolutionnaire ou d'un militant révolutionnaire. Qu'il soit un militant moujahide simple ou cadre révolutionnaire, il restera toujours un révolutionnaire. C'est peut-être dans ce sens que je perçois les choses. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, comment vous voyez donc le travail sur la mémoire? J'ai tenté une expérience à travers cette publication online et gratuite, etc. Vous savez, les générations d'aujourd'hui, c'est des générations, comment dire ça? C'est-à-dire justement, comment préserver cette mémoire de toutes les manipulations? Parce qu'il y a avec les réseaux sociaux, etc., donc il y a beaucoup de... Nous assistons à des manipulations de cette mémoire. Comment faire en sorte à ce que cette mémoire soit protégée de toute manipulation? Encore une fois, j'en reviens peut-être à la première question, c'est de mobiliser des capacités. Nous avons de jeunes scientifiques, de jeunes techniciens, de jeunes qui maîtrisent l'outil informatique, la communication des masses médias, par Internet, etc. Il serait peut-être intéressant d'intéresser les nouvelles générations à travers leur téléphone portable, n'est-ce pas, ou leur tablette, les intéresser en publiant des journaux historiques online. Vous savez, il y a beaucoup de techniques dans ce sens. Et donc d'aller ne pas commettre cette erreur, notre erreur de n'avoir pas au départ, de n'être pas allé vers les sources révolutionnaires qui étaient encore vivantes, il est temps de rattraper peut-être ce petit défaut ou cette insuffisance, c'est de prendre en charge, grâce à l'outil communicationnel aujourd'hui moderne, les réseaux sociaux, etc., et d'aller publier justement. D'aller publier cette mémoire et d'aller interroger et d'aller apporter une partie de cette mémoire vers ces nouvelles générations, je pense. Monsieur Amérage, justement, est-ce que vous êtes, en tant que jeune, conscient des manipulations de la mémoire nationale au niveau donc de ces réseaux sociaux? Honnêtement, je suis pertinemment convaincu que la nouvelle génération a su et a pu rendre hommage à ces révolutionnaires dans plusieurs épisodes qui ont marqué justement notre histoire contemporaine. Et je pense aussi que les jeunes, la jeune génération plutôt, a pu aussi éviter toute forme de propagande, d'une part ou d'une autre, hein, n'est-ce pas? Et justement, elle a su aussi voir clair en rendant hommage aux acteurs principaux qui leur ont permis justement aujourd'hui et qui leur permettent aujourd'hui aussi de s'exprimer. Alors, manipulation ou propagande, je pense que la jeunesse algérienne est très intelligente pour éviter ce genre de... Je vous accorde le dernier mot, monsieur Bakhouch Abdelkader. Oui. ثاني مرة بنجي عندكم هنا ونلقى المساعدة الرسمية للتاريخ تاع البلاد. للأسف كبير للأغلبية الساحقة تاع المسؤولين تاعنا ما كتبوش بالحقائق. باسكو لا فيريتابل استوار دو نوتر بيي سي لو ديكلونشمون دي 1 نوفمبر 54. جيش وجبهة التحرير
لمت الشعب كامل للاستقلال التام واشكرك ثاني مرة هذا ما أقول لك une dernière question est-ce que comment vous voyez la génération d'aujourd'hui est-ce qu'elle est perspicace par rapport à tous les enjeux qui concernent la mémoire الشباب هذه الله يبارك بالسقفة وقادر على مسؤولياتها أنا نتمنى لكم النجاح اختار كون ما تخدموش بلادكم كما خدموها جدودكم وآباكم ما ننشوش باسكو لي زينمي سون نومبرو ولي زينمي اللي مدرقين تحت الطابلة أكثر من اللي راهم باينين العديان تاعنا راهم بزاف انتم يلزمكم تحافظوا على بلادكم وتحافظوا على الشهداء وتحافظوا على التاريخ تاع بلادكم. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à la question. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et je remercie enfin les responsables du musée central de l'armée de nous avoir prêté aide et assistance pour préparer cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Thank you.